chapitre 2, sur le chemin de notre rêve. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Romano pour la suite donc de Inazuma Eleven. Là, on est donc au chapitre 2 et on a une équipe qui veut faire un match contre nous. Qui est cette équipe? Ben, on va voir ça, hein. C'est quand même bizarre, c'est peut-être parce qu'on a battu la Royal Academy, on va peut-être avoir plein de matchs à faire. Enfin, bon, avant d'aller au tableau, parce que j'ai pas envie d'y aller tout de suite, on va au coffre qui se trouve là. Pour obtenir des points de motivation. Alors ici, je sais pas si c'est ouvert. Oui, on peut acheter des choses, ça va. Heureusement. Donc des barres de céréales, des crampons qui permettent d'augmenter certaines stats. Des gants pareils pour les goals. Et des bracelets, tout ça. Bon voilà, on a quelques-uns dans le jeu. Oups, non, pas prendre ça, je prends rien du tout. Pour l'instant, je ne prends rien. Et voilà, donc... Si vous avez besoin d'objets pour vous remettre des PA ou des choses comme ça... Faites-le, achetez, enfin, dépensez. Mais moi, je ne le ferai pas. Donc, avant d'aller au tableau, on va parler à cette personne. J'avais déjà parlé. Si je me souviens bien, hein, j'ai pas une dame de conneries. Donc, en fait, on va l'embêter 9 fois pour que il vienne dans l'équipe. Donc, j'ai envie de passer vite, mais comme j'ai dit que je ferai un effort... Hein, Je parle au-dessus, hein, parce que sinon on va s'embêter. Alors, c'était pas forcément quelqu'un qui est fort. Mais bon, il se défend. Il se défend. Hein. C'est toujours mieux de l'avoir de son côté qu'en adversaire. Faut vraiment avoir le courage de lui parler 9 fois quand même. Hein. Voilà, c'est la même fois que tu viens de me casser les pieds. Quel pot de colle, laisse-moi tranquille. Il s'en va. Donc. C'est pas pour tout de suite, vous avez compris, hein. Donc on va aller à l'affichage et on va voir ce qui va se passer. Bon bah Axel ne sera pas dans l'équipe pour cette fois, c'est dommage, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire, il veut pas jouer, on va pas le torturer, lui faire du chantage. Quoique, ça pourrait être une bonne idée ça. Ah non, c'est affiché, mais c'est faux, hein. Bon, bien sûr. Allez, on y va. Alors, je sais pas pourquoi, l'émulateur commence un petit peu à ramer, mais ça gêne pas trop. Ça me gêne pas du tout, moi. Mais bon, peut-être vous allez voir quelques images qui vont sauter. Bon, c'est pas grave. Une fille qui veut devenir manager du club de foot qui est un peu pourri quoi, bah dis donc. Et lui c'est le pervers de service. Et
Ok, bon, bah ici, il n'y a rien à regarder, si je me souviens bien. Donc, on peut descendre, on peut se barrer. On se barre. Et là, on va rencontrer la fille. Et oui, on va se faire défier. On veut savoir. Alors, depuis sans adversaire, en sachant qu'il est possible d'aller au local sans se faire attaquer. Donc voilà, on a des défis, vous verrez. En général, c'est marqué un but. En premier, c'est tout. Mais des fois, ça arrive qu'il y ait interception de ballon, mettre deux buts. Le temps est un peu plus long pour y arriver. Mais bon, voilà, c'est... Malheureusement, il n'y a pas assez de diversité, vous le verrez de toute façon. Et je sais pas ce que je voulais faire. Des fois, il y a des coffres, c'est pour ça. C'est vrai que des emplacements des coffres, je les connais pas par cœur. À part les coffres qui ne bougent pas. Donc ça, c'est un coffre qui renferme de l'eau minérale. Hein. Donc je marche un peu, en fait, c'est pour vous montrer un premier défi. Mais j'ai l'impression que... Ah oui. Non, d'accord. Excusez-moi, j'avais oublié, c'est que quand j'avais fait une autre partie, j'avais eu un match au même endroit, donc c'est scripté. Hein. Donc allez, on va essayer de le faire. Donc, on est contre Chopper, il y en a qui s'appelle One Piece en plus dedans, donc vous avez un mini clin d'œil à One Piece. Mais bon, après, il ressemble pas, malheureusement. Donc là, j'ai encore oublié de changer de personnage, donc là, je peux pas le faire via le menu, mais je vais mettre l'attaquant là et le défenseur pourri ici, ça suffira de toute façon. Voilà. Et là, alors, ce que je fais comme d'habitude, je débute, j'envoie les deux, entre guillemets, attaquants. Je crois qu'ils sont tous deux attaquants d'ailleurs. Non, lui il est un peu trop loin, je veux pas qu'il aille trop loin. Voilà, et j'envoie le ballon vers le goal, j'envoie tout devant. Donc, Kevin, il a plus qu'à aligner, donc, le goal. Comme vous pouvez voir, le goal craint l'élément de Kevin. Un peu fort le son dans mes oreilles. Défi remporté, donc on va gagner de l'expérience. Donc comme j'ai fait des passes, j'ai eu un bonus beau jeu et je monte de niveau en dessous avec 9 points d'expérience. C'est peu, mais on monte de niveau. Donc on va passer. Voilà. C'est pas mal, hein. On commence par une petite vie que toi. Donc logiquement, on devrait avoir non. Donc on va profiter pour aller ici, pour parler à ce jeune homme qui est Paul Peabody, donc qui était le même que tout à l'heure. Donc il va falloir lui parler encore 9 fois. C'est chiant, hein, je vous le dis, c'est chiant. Je le laisse quand même jusqu'au bout parce que je suis comme ça, je suis gentil. Donc... C'est quoi, je vais passer vite parce que ouais, ça va un petit peu, elle m'appelle pas comme ça, tu ne dis plus rien, j'attends que tu me dises que tu veux jouer au foot, bon bah voilà, c'est... Là ils disent plus rien tous les deux, alors tu as envie de jouer, ça fait 18 fois, il en a marre, bon voilà. N'empêche il compte, hein. Ce qu'il faut c'est qu'il compte. Qu'est-ce que... Je crois, oui il y a des coffres aussi au-dessus, bon mais on va aller au local, hein, parce que... Ah ben voilà, ben, il fallait que ça tombe juste avant d'aller au local. Donc là, les membres du club de baseball. Il faut intercepter le ballon cette fois. Donc j'aurai pas de bonus de beau jeu malheureusement. Par contre, il faut que j'attrape la balle. Donc on y va. Donc des fois ça peut prendre 2 secondes comme ça peut prendre 1 heure. Oh non, je l'ai eu là. Ça peut être très très long. Et surtout avec une souris. Allez. Oh non, c'est chiant là.
C'est impossible à la souris, je vous conseille d'essayer si vous pouvez. Mais j'ai pas de autant de mal d'habitude, hein. En plus quand j'ai enregistré à côté, je l'avais fait du premier coup. Allez, allez, oui, c'est bon, normalement je l'ai. Ouf. Voilà, on intercepte et on a gagné. Donc c'est un autre des défis, oui. C'est pas du tout le plus intéressant, et vu comme je joue, c'est même le plus chiant. Mais c'est parce que je joue à la souris, et c'est loin d'être aussi efficace que le stylet. Donc on va au local, et on va avoir une petite discussion. Donc, club de journalisme, elle va beaucoup nous servir. J'adore ce passage. Je peux faire plein de choses, de la collecte d'infos sur l'adversaire à la lessive des maillots. Youpi! Vive le stéréotype! L'équipe d'occulte. Alors oui, on parle de malédiction. Voilà, il y a des événements incroyables qui se produisent pendant leur match. Donc, le mot malédiction fait un peu peur aux gens. Donc, ils se retrouvent avec des gens qui sont paralysés, des tirs adverses qui n'atteignent pas les buts. Et tout ça et tout ça. Donc, c'est... on va se battre contre une équipe qui fait des malédictions. Bon. Moi, personnellement, j'ai été sceptique. Mais j'ai des malédictions dans ce jeu. Bof, on verra. Alors, je suis d'accord avec Kevin, c'est du flan. Hein? Non, mais oh. Et là, en fait, ouais, le souci, c'est qu'il reparle d'Axel et ça énerve Kevin parce qu'il en a marre que tout le monde soit sur Axel et lui, à côté, il est rien, quoi. Allez, là, ce système-là, on va s'en servir tout de suite, donc ramener des joueurs. Un système de recrutement. Vous avez 22 millions d'euros, faites dans ce que vous voulez. Non, c'est pas comme ça. Trop jeune. J'adore ce passage. Ne soyez pas gourmand. En effet, le club peut accueillir un maximum de 100 joueurs. C'est vrai que pour 11 personnes sur le terrain, 100, c'est limite. Hein. Bon. C'est qu'un détail. J'adore cette phrase magnifique. Il me semble très risqué de mettre Willy en attaque à la place d'Axel. C'est ce que je dis un peu depuis le début, faudrait suivre. Hein. Alors, un attaquant, donc je vais pas regarder 10 ans. Là, ça, vous voyez, c'est le truc de relation. Vous recrutez quelqu'un, ça en libère d'autres, tout ça. C'est, en gros, c'est du réseau. Voilà, c'est Facebook. Et voilà, et là la question se pose, où ils vont s'entraîner pour le match, c'est vrai. Ils ont un terrain qu'ils peuvent pas l'avoir, puisque c'est toujours les autres qui ont le terrain. Ok, la rivière est à jouer à la carte. Allez à la rivière. C'est notre prochaine destination. Ou pas, pas encore. Parce qu'on va recruter quelqu'un, oui. On va le faire tout de suite. Et pour commencer, on va faire la relation. On va aller chercher un certain Balt Decker qui est un très bon défensif latéral, un très bon défenseur latéral puisqu'il est assez rapide, même très rapide, il est à peu près au même niveau que Nathan, donc on va le recruter et donc on va nous dire d'aller à un endroit. Donc là il faut aller au cours de tennis pour aller chercher cette personne, donc c'est ce qu'on va faire, on va aller au cours de tennis. Alors les cours de tennis sont maintenant ouverts, il suffit d'aller au terrain de baseball qui se trouve au-dessus du local. Normalement il y a un coffre quelque part ici, voilà, et les terrains de tennis sont à droite.
On obtient du lait. Alors vous pouvez voir que là j'ai un souci avec les arbres dans cette partie du monde. Je sais pas pourquoi, c'est l'émulateur, il veut pas émuler les arbres de la bonne manière. C'est pas comme il faut en tout cas. Et bon, ça c'est pas trop grave, mais bon, c'est un peu énervant. Donc je ne te laisserai pas filer, Paul. Ce n'est plus de l'acharnement. Donc on va continuer à lui parler, à lui en tout cas. Qu'est-ce que tu détestes dans le foot? C'est pas ce que je déteste. Bon, voilà, ils vont parler, hein. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Il s'attendait pas. Attention, le plaisir. On va y arriver. (rire) 27 fois. Et voilà le travail. Paul Peabody est avec nous. C'est la classe quand même, c'est la classe. Donc notre Paul qui est déjà niveau 10. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Par contre niveau stats, il n'est pas exceptionnel. Mais pour un début, franchement, il est très très intéressant. Donc il faut le prendre, hein, il faut le prendre. Donc voilà, vu que j'ai recruté, il y a des nouveaux joueurs qui pourront être recrutés plus tard. Et là on va voir notre Black Decker. Donc voilà, il veut rejoindre le club et il veut faire un défi avant. En général c'est ça, hein, c'est le plus gros des... En sachant que si c'est des goals que vous recrutez, c'est plus difficile parce que en fait la personne que vous voulez recruter se trouve au cage. Ce qui est pas logique du tout. Est-ce que si c'est un gardien, il risque de vous... faire un peu chier parce qu'il a, quand il a des techniques de défense, ben il faut avoir du mal à marquer des buts. Et Twister que vous voyez à droite, une fois je l'ai pris, je regrette hein, parce que c'est il est nul. Ah, j'ai encore oublié de changer de personnage. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas cette équipe là que j'utilise en défi, surtout pour le début. Alors, comme d'habitude, on envoie vers l'avant, puis après on commence. Une passe au milieu, vous voyez l'ouverture, ça c'est la classe quand même. Hein. C'est pas parce que c'est. Là, toi, tu dis qu'il est nul, c'est pas parce qu'il a fait un truc de bien maintenant qu'il est pas nul. Très bien, au cas où. Voilà, un but facile. Et donc là, on va l'avoir dans notre équipe. Et je vais m'en servir. Hein. Comme d'habitude, il y a toujours des gens qui sont bons. Voilà, je monte de niveau assez facilement et rapidement pour commencer. Et il y en a au début qui sont forts, qui après sont moins forts, et on trouve toujours mieux en fait. Enfin, toujours. Au bout d'un moment, vous allez trouver le meilleur milieu, par exemple, vous allez le trouver, parce qu'il y en a un qui a toujours les meilleurs stats que d'autres. Mais voilà. Donc pour un niveau 4, il a quand même une très bonne vitesse, et il a des stats quand même honorables, à part la précision, mais en étant défenseur, c'est pas si grave que ça, et puis on pourra lui augmenter la précision d'une certaine manière, donc c'est pas un souci. Voilà, on le prend dans notre équipe. On va retourner au local, en espérant avoir quelques défis au milieu. Même si malheureusement ou heureusement parce qu'au bout de plus tard on pourra avoir des objets qui nous permettront d'avoir de se battre contre plus d'adversaires. Mais des fois c'est chiant donc là on se dit bon ben c'est bon. Et là on va lui parler et il me demande si je veux recruter, on met oui évidemment. Et là par un non. On est par nom et vous cherchez, alors c'est pas du c'est un peu classique comme nom, un peu genre charismatique, mais bon, vous cherchez Shadow, donc qui veut dire ombre en anglais, attention. Non, pas Shadow, ça marche pas Shadow, Shadow. Voilà. Donc Shadow, vous confirmez, mettez OK. Alors ça il faut le savoir hein. C'est en cherchant sur internet que j'ai su qu'il y avait un mec qui s'appelait Shadow, j'ai jamais pensé à taper Shadow. Pourtant j'ai essayé des mots anglais mais j'ai jamais essayé Shadow. Et elle dit quoi? Ok, je pose la question. Pourquoi Axel ne veut pas intégrer le club? Et là, ce qu'il faut faire, c'est marcher. Ah, mais il y a un coffre ici, j'avais pas vu. En plus, on a un brassé de jouvence. Donc, joueur, on va voir ce que ça donne. Oups. Donc, dans équipement, le brassé de jouvence. Il serait qu'on peut en mettre qu'un. On peut mettre qu'un seul bracelet de cette couleur-là. Sinon, c'est des bracelets bleus. Donc ça augmente la armure, donc je vais le garder de côté pour l'instant, ça sert pas grand chose à ce niveau là. Donc on va se promener de haut en bas, hein. Enfin on peut même se promener un peu plus bas, voir s'il n'y a pas un coffre. On verra, hein.
c'est possible de trouver un coffre sans faire exprès. Hein. Donc on a un petit défi à faire. Contre qui? Contre Baseball encore. Est-ce que c'est... Il faut encore intercepter. Alors je vous dis qu'il y a quasiment que de marquer un but en premier. Et là, le jeu me donne tort. Hein. Ça se dit ça? Je vais mettre lui là. Lui, ici. En fait, j'ai envie de les laisser faire. Voilà, tac. Ah, mais je l'avais raté, merde. Oups, il est gros. Et j'ai encore oublié de changer de personne. Ah, ça y est. Oui, il a pris. Oh, non, non, ça, c'est une très, très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée qu'il a eue, là. Voilà. Ouf. Non, c'est vrai que des fois, le jeu, il fait une passe comme ça, tu sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Hein. Tant qu'on gagne. Voilà, niveau supérieur. Donc, je vais... changer mes formations de défi parce que là c'est pas possible. Non, c'est pas comme ça, c'est dans le joueur. Je confonds un peu. Alors, justement, Todd, on va le virer. On va mettre. Alors, il est niveau 7. On va mettre Jack puisqu'il est que niveau 5. Il faut quand même qu'il monte de niveau. Et à place de Sam, on va mettre Steve. Voilà, qui est pas mauvais donc. On va mettre ça. Et continuons de marcher un peu à regarder si on trouve pas des coffres, des objets. Jusqu'à ce qu'on nous appelle. Voilà, ça se passe comme ça le recrutement par nom. C'est avec des appels. Allez, appelle-nous. Bon. Allez. Madame, s'il vous plaît. Ça peut être long comme rapide. Hein. Quand je l'ai fait, moi c'était rapide. Là c'est long. C'est très aléatoire. Hein. C'est. Mais vous allez voir que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup d'attendre. Donc là encore du baseball, hein. Non, on va faire que intercepter. Oh, je vais faire que intercepter des ballons. Putain, mais pas de chance, moi. Voilà, les buts. Merde, dommage. Ah, mais eux. Je fais jamais ça habituellement. Pourquoi il reste en bas C'est trop facile pour eux de se barrer, moi je suis à la souris moi. Mais il faut y aller, allez. Ah, oh, c'est juste horrible. Voilà, tac. Lui, bon, face à la défense de notre ami Jack, il peut rien faire. Hein. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on gagne un petit peu d'expérience. On monte assez rapidement de niveau au début. Donc faut jamais qu'on m'appelle par contre hein, pour Shadow, parce qu'après il faut aller le chercher. D'ailleurs c'est bizarre que ce soit si long. Voilà, on a le petit coup de téléphone. C'est Celia, marche à chapeauter ses fruits, tu pourrais passer me voir au local. Donc on y va. Et là juste avant la porte, un défi pour perdre du temps. Parce que là j'en suis à 23 minutes. Bon, pas trop envie que ça dure trop longtemps. Marche à s'apporter ses fruits, je veux voir le résultat. Alors vous allez voir qu'il a quand même assez la classe. Enfin, il est pas forcément beau, mais on voit qu'il est bien ténébreux. Et vous pouvez voir que pour un niveau 4, il a des stats tout à fait honorables. Donc, bon, j'ai trouvé qu'il y avait un gros souci, c'est qu'il augmentait assez lentement. Mais il sera, on va dire, en général, à un niveau inférieur aux autres, mais il aura des stats meilleurs. Donc ça se voit pas, au final ça se voit pas qu'il est en dessous, mais c'est vrai que quand on voit son expérience arriver lentement, on se dit oh, allez, va plus vite. Donc ouais. Donc on se retrouve par là où il y avait Paul Peabody, ben, il est là. Donc on lui parle. Qu'est-ce que tu me veux? Donc voilà, question conne. On ne demande jamais ce genre de questions à notre Mark Evans. Et voilà, il rejoint le club. C'est magnifique. Donc on rajoute à notre liste de joueurs. Et cette fois-ci, maintenant qu'on a lui à la place de Steve, on met le Shadow. Voilà, tout simplement, hein, parce qu'il va, bon, il est vraiment très très fort pour son niveau. Et puis voilà.
Par exemple aussi pour une, maintenant pour ma formation de match par exemple. Donc on va, je vais changer des personnes hein, tout simplement. Déjà, oups, je me suis trompé. En match, on a une, la, je vais mettre la formation papillon. Le bloc central. Non, la formation papillon. Je vais la mettre, c'est celle que j'utilise le plus. C'est juste, c'est surtout parce que on va pouvoir bien placer les attaquants. Donc déjà, Paul Peabody, donc c'est pas lui, c'est que je sais. Back et Decker qui va se mettre à la place de notre ami Todd qui ne sert à rien. Nathan qui va se mettre à gauche. Au milieu, on reste Kevin. Et on va mettre lui à la place de Willy qui ne sert à rien. Et Paul Peabody pourra toujours servir. Mais bon. Donc voilà. Ça suffira. Alors, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Je vais aller. Je vais m'arrêter en me mettant ici. Voilà, je vais me mettre là. Et je vais m'arrêter là. On va prendre, je prends la suite. Ben vous allez normalement les vidéos vont se suivre parce que je vais essayer de les faire chapitre par chapitre quand j'en vais enregistrer. En tout cas, un chapitre un jour, un chapitre un autre jour, comme ça, je pourrais aller assez vite. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite.